Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à la scène ouverte des rencontres internationales de la harpe celtique de Dinan. Et donc, j'ai le plaisir d'ouvrir ce soir la première des soirées du festival, qui est une soirée très spéciale, puisque c'est la scène ouverte des élèves. C'est-à-dire que ceux qui vont bientôt venir jouer sur les deux harpes que vous voyez derrière moi sont tous, à trois exceptions près, des élèves. Voilà, ils peuvent avoir commencé parfois il y a 2-3 ans. L'année dernière, on avait quelqu'un qui était en première année, mais cette année, on n'a pas eu de téméraire. Et ça va aller croissant jusqu'à ceux qui ont jusqu'à 10 ans, voire plus d'expérience. Voilà, donc je vous demande d'être à la fois avec eux indulgents et enthousiastes, parce que pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont jouer sur scène. Ou la première fois qu'ils vont y jouer seuls, ce qui n'est pas moins terrorisant, je vous l'assure. Et donc on va tout de suite commencer avec Maya Lou, qui va nous jouer la Burns March. C'est irlandais, comme vous l'aurez pu constater. Faut du courage, je vous dis pas. Alors à présent, on va partir un petit peu dans les légendes arthuriennes et Aurore va nous interpréter Tristan et Iseult. Pas les crochets, ça sert à régler la harpe pour qu'elle soit dans la bonne tonalité. Et il arrive parfois qu'on en oublie un ou deux.
voir toute la harpe. C'est bon? Les héros, vous avez le droit de saluer avant de sortir de scène. On vous promet, ils vous mangeront pas. Vous le mangerez pas. Non. Ils l'ont dit. Il y a un ogre dans la salle. Et alors à présent, eh bien, figurez-vous que la harpe, ça va pas forcément tout seul. Et aujourd'hui, nous avons un duo harpe et piccolo. Et c'est un duo qui va être interprété, donc qui s'appelle Triane. Alors c'est le morceau qui s'appelle Triane, je précise, pour les amateurs de musique bretonne.
Et à présent, ça va être au tour de Carl Philippe, qui va nous interpréter Cascatel. Voilà. Ça va pour grimper ? Celle que tu veux. Celle-là ressemble plus à ta pile. C'est bon, t'es trop vite, tu fais bien. Maintenant, nous avons Nathalie qui va nous faire... Alors, il y a marqué « Improvisation, composition ». Donc, je suppose que le morceau n'a pas spécialement de titre. Nathalie ? Je suis là. Elle arrive par derrière, je la vois même pas. Vous voyez ça ? On est cernés. Encore un peu de maturité, j'aurai des finances pour mener encore plus d'émotions, mais techniquement, ça va. Thank you.
Les enfants, ils ont moins peur de saluer le public que les adultes. Les adultes, saluez le public. C'est un gentil public, ils sont là pour vous. Et maintenant, je vais appeler Christine. Alors, maintenant, je regarde partout pour savoir où est Christine. Christine qui va nous jouer My Lady Curridump, qui est donc avec un arrangement de Dominique Bouchot. Et je ne sais toujours pas où est Christine. Christine est derrière moi. Vous voyez, ils arrivent en douce, je ne les vois pas. Alors, dans la vie, il y a des gens courageux, courageux au point de jouer un morceau que beaucoup de gens connaissent ici. Gwen, avec la Morrison Jig. Que je laisse cette feuille ouverte en fait. Élise maintenant va nous faire une valse à 5 temps qui est la valse d'Amélie. Si je me trompe pas et que c'est bien celle-là qui a 5 temps, mais c'est celle-là qui a 5 temps. De quoi ? Ah, c'est celle du film. Logique.
J'aurais dû m'en douter. Yann Tiersen. Ah oui, alors en Amérique, il y a une harpiste qui s'appelle Deborah Hanson Conant qui joue des morceaux complètement fantasques et souvent fantastiques. Et aujourd'hui, Lauriane va nous interpréter Nataliana de Deborah Hanson Conant. Thank you.
Alors, il y en a qui trouvent que vous n'avez pas eu votre content de musique de film. Donc maintenant, c'est Marie qui va nous interpréter Misty Mountain Cold, pour ceux qui sont allés au cinéma cet hiver. Donc si vous êtes musicien, ça ne sert à rien de trouver des anneaux magiques. Être invisible, on vous verra quand même derrière votre instrument. Et maintenant, eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, on a une harpe paraguayenne juste là derrière qui va arriver sur scène. D'accord. Et c'est Paul-Henri qui va nous interpréter Candeleta. Si, je ne parle pas espagnol, c'était sans doute très mal dit. Voilà, vous aurez donc vu une harpe paraguayenne un jour dans votre vie. Et c'est super joli.
Merci, merci pour ce début. Je ne peux pas faire. J'ai le trac. Alors, tu t'entraînes et l'année prochaine, on fait la fin du morceau. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Voilà, il s'entraîne tout un an. Hein, on va le faire jouer devant des gens patibulaires. Et après, il n'aura plus peur de vous. Bon, maintenant, c'est Morgane qui va jouer, mais c'est pas moi. C'est Morgane qui va nous jouer une suite irlandaise. En fait, ça aurait vraiment pu être moi, mais c'est toujours pas moi. Alors, la température fraîchit, je ne sais pas si vous le sentez, mais elles deux, elles le sentent. Et donc, il y a une corde de fausse. Donc, on en profite. Et moi, pendant ce temps-là, je peux vous raconter des trucs intéressants. Alors, on attribue à Mozart une citation comme quoi la harpe, c'est pas, tu passes la moitié du temps à l'accorder, la moitié du temps à jouer faux. C'est archi pas vrai du tout. D'accord ? On raccorde beaucoup plus souvent les guitares que les harpes. S'il y a des guitaristes dans la salle, il y en a, je sais. Voilà, parce que nous on a 36 cordes, mais une fois qu'elles sont accordées, en général elles tiennent. Thank you.
Alors, à présent, j'ai une question existentielle d'importance. Y a-t-il ici une fille portant par hasard une jupe rouge ? Personne ? Bon, ben, je suis désolée, personne ne pourrait être ta fille à la jupe rouge. The girl in the red skirt. Par Stéphane. Alors, il dit juste le début, parce que le morceau est très long. Et c'est de Laurie Padgett. Laurie Padgett, il a dit. Génial. Je te crois. Ah, son nom, il est génial. Oui, son nom. Ah, c'est très bien, ça va aussi. Tu me conseilles. Thank you.
Als Froh Land, c'est pas de l'allemand, je sais pas ce que c'est. C'est quoi cette langue? C'est quoi? Alors c'est du suédois, c'est une valse suédoise, Vals från Öland. Et Öland, Eric me racontait juste avant que c'est une île au sud-est de la Suède et que cette île elle a été déplacée en prenant un grand morceau de terre dans le pays. Et on peut voir en Suède, il y a un lac de la même forme de l'île, juste dans les terres un peu à l'intérieur. Donc c'est une des deux îles qui ont été prises dans la Suède pour les mettre dans la mer. Ils sont fous, ces Suédois. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment la musique suédoise, eh bien, vous pourrez regarder quand il y a le concert d'Eric, qui sera, je crois, demain au Jacobin. Demain soir au Jacobin. Il reste de la place, profitez-en. Je m'avance peut-être. Bon alors celle-là aussi a besoin d'un coup de clé, alors pendant ce temps-là je vais vous raconter des trucs intéressants sur le festival. D'accord, le festival cette année c'est la 32e édition et c'est le 38e stage puisque le stage de harpe existait avant le festival lui-même. Donc cette année vous aurez, à part la soirée des stagiaires, vous aurez trois soirées, donc jeudi, vendredi et samedi, où vous pourrez retrouver des artistes internationaux. Ben, on parlait tout à l'heure de la Suède, voilà, il y a aussi le Pays de Galles qui sera représenté cette année, l'Irlande, la Bretagne évidemment, c'est mieux. J'en oublie sans doute parce que j'ai pas le programme sous le nez. Et en journée, vous pouvez aussi trouver des concerts dans la salle des Cordeliers, le lycée qui est juste là-bas, par là. Voilà, avec des artistes dans des plus petites salles, mais des artistes non moins méritants. Voilà, et c'est une merveilleuse découverte du monde de l'art qu'on vous propose chaque année à Dinan, donc profitez-en. Si vous n'êtes pas déjà un stagiaire, quelqu'un qui a déjà ses places ou quoi, vous pouvez aller les acheter à la billetterie du festival, qui est de l'autre côté, sur la place des Jacobins. Voilà, la billetterie est ouverte tous les jours et vous pouvez réserver vos places d'avance, que nous vous conseillons si vous voulez avoir de la place au concert. C'est bon, faut que je meuble encore.
Eh bien, j'espère que vous aimez entendre de la voix avec de la harpe, parce que maintenant, c'est Natasia. J'espère que je prononce bien ton prénom. C'est ça, Natasia, qui va nous interpréter Arswarded. Voilà, avec harpe et voix également. Laquelle tu veux ? Laquelle tu veux de harpe ? Bonjour mes amis, je suis venue de Moscou, de la Russie. Je voudrais vous présenter une petite jolie chanson en breton. Oui, oui, surprise, à la Russie, il y a les gens qui apprennent le breton. La chanson Arswarded. Ce n'est pas le morceau que le plus fort, le plus compliqué que je peux jouer, mais j'aime beaucoup parce que c'était la première chanson en breton que j'ai appris. Maintenant, je le sais un peu plus. Voilà. Et salut, doch es pro Russia.
grands les gens. Ils sont grands les gens. Non, c'est moi qui suis petite. Petit. Voilà, merci, ça me va mieux. Sinon je vous vois pas. Ce serait embêtant. Hop là. Alors tout à l'heure je vous parlais d'une valse à 5 temps et en fait elle est là parce que cette année les gens jouent des valses. Je ne sais pas pourquoi. L'année dernière il n'y avait pas de valse. Donc cette fois Claire nous fait vraiment une valse à 5 temps et pas une valse d'Amélie. Je ne sais pas comment vous dansez une valse à 5 temps, vous. Hein. Moi, il va me manquer un pied à un moment. Tu sais danser la valse à 5 temps? Je veux bien apprendre ça. Oh. Le clapet, il... Oui, il est où? Tu le tires quand même. Ça marche? Je sais pas s'il est bien. Il tombe tous. Passer là parce qu'ensuite ça va plus être des élèves. Voilà, donc bravo les élèves parce que il faut être vraiment courageux. Et donc je vous avais dit qu'on serait trois à monter sur scène et à pas être des élèves. Et bien voici la première. Donc il y a des bons professeurs de harpe qui envoient leurs élèves à Dinan. Je suis privée de son. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé mon son. Donc vous avez vu passer deux de ses élèves. Et bien maintenant, vous allez voir jouer la professeure. Donc Nursi Riciel, venue de Belgique, va nous interpréter la suite de la Duchesse. Je sais pas quelle Duchesse, par contre. Cette Duchesse n'a pas de nom. Elle a un nom ? Ouh là là, une compatriote. Ouh là là. Non, je m'en vais. Thank you.
Bon alors, il joue aussi de la harpe, je vous assure, mais pour ça, il faudra venir le voir demain, au Jacobin. Et tout à l'heure, avec Quentin, on s'est dit, et si on joue un truc ce soir? Parce que l'année dernière, ils m'ont pris de court, en fait, vous savez pas, les stagiaires, ils m'ont fait jouer alors que c'était pas trop prévu. Cette année, je me suis pas laissée avoir, j'ai prévu le coup. Enfin, dans la mesure où on a répété 3 minutes tout à l'heure, et comme cette année, il n'y a pas d'écossais au festival, il n'y a pas eu de musique écossaise de jeu aujourd'hui, ben on va vous jouer un truc écossais. Ceux qui connaissent les paroles peuvent chanter avec moi. On admire la patience de Louis, hein, qui change à chaque morceau en fonction de qui joue et tout. Il est merveilleux, c'est Louis. On peut applaudir Louis pendant qu'il règle les micros. Et on peut applaudir Rémi qui l'a aidé à monter la scène qui est cachée derrière. Personne ne m'entendra. Enfin, ils m'ont assez entendu, tu me diras, mais... Well, the summertime is coming and the trees are sweetly blooming and the white moon tentime grows around. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pluck white moon and time all around the blooming heather. Will you go?